Alors, j'ai commandé et reçu de chez Azure Modélisme des appareils de Fayoutech. Donc, j'ai un OSD et un autopilote. Donc, je vais déballer les éléments. Donc, ça, c'est le FY31AP. Donc, c'est l'autopilote. Donc, c'est ce qui a remplacé le FY21AP. Donc, il est petit. Il y a une notice, tout en anglais. Les deux côtés. Et à l'intérieur, il y a de la connectique. Donc ça c'est une prise USB, je pense que donc on peut le raccorder à l'autopilote pour récupérer sur l'ordinateur des données. Donc ceci c'est le GPS. Et puis donc les différents câbles de connexion. Et également des petites mousses qui serviront d'amortisseur de façon à ce que l'autopilote ne vibre pas. Donc voilà pour l'autopilote FY31AP. Et donc j'ai aussi l'OSD, toujours de Fayoutech. Donc voici, c'est le Hornet. Avec une notice, également en anglais, mais qui explique assez bien comment brancher les différents éléments entre eux. Deux prises DIN, le current sensor, donc les prises DIN vont venir se mettre comme ça à peu près à souder là. Une gaine thermo qui permettra de protéger le current sensor et également des câbles de connexion. Et donc la notice explique assez bien comment tout cela va s'agencer avec les différents modèles également d'affichage de l'OSD que l'on pourra sélectionner avec sa radiocommande. Donc sur l'autopilote, on voit qu'il y a des LED. Il y aura une LED bleue et une LED rouge, je crois. Je vais commencer à regarder la notice. Et il y a également une LED pour l'OSD.